Eh bien salut toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel et comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui. Et non, on va pas commencer cet épisode de la même façon que j'ai terminé le dernier. Non mais c'est abusé hein. N'abusez pas des bonnes choses. Aïe. C'est bon, je rigole. Attendez. Comment ça va les amis? Bienvenue sur ce 9e épisode de notre incroyable aventure. Dommage. Voilà, incroyable aventure sur Far Cry 6. Ça fait une semaine maintenant que l'aventure a débuté et je suis toujours aussi ravi. J'espère surtout que vous également. On commence bien cet épisode les amis, je vais vous montrer où nous sommes et je vais vous montrer ce que nous allons faire bien sûr. Il y a encore un dôle ici. Ça fait beaucoup de dôle. Pour les Alsaciens, vous aurez la ref. Bien évidemment, du coup, nous avions terminé le dernier épisode avec cet avant-poste ici. Du coup, la SRAM des 7 trésors, on s'est fait attaquer pareil par des loups. Non, c'était la station là. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus. Bref, et aujourd'hui, on va faire cet avant-poste ici là. Pour commencer cet épisode directement. Attendez, il y a un trésor à gauche apparemment. On va aller voir. Apparemment, il y a un petit trésor par ici. Voilà, on y arrive. Et on va faire l'avant-poste, ce qui va nous débloquer évidemment des nouveaux passages rapides. Mais également, voilà, des nouvelles zones safe. Bien évidemment. Qu'avons-nous là? Xetra de Banassur. Superbe. Là on peut hop fouiller le conteneur. Quelque chose qu'il nous faudrait. J'ai réalisé ça en faisant le montage du dernier épisode. Quelque chose qu'il faudrait absolument qu'on fasse. Il faudrait qu'on se confectionne. Alors non pas un portefeuille, non pas un sac à butin, mais un kit de seringues. Transporter jusqu'à 3 seringues. Parce que là on est limité quoi hein. Et une fois que j'ai gaspillé mes 3 seringues, bah je suis dans le caca. Donc il faudrait du sanglier aussi, ouais. Qu'on chasse du sanglier. Alors ça tombe bien parce que il n'y a pas de sanglier ici. Bon, bah, on garde en tête qu'il faudra qu'on chasse du sanglier. D'accord? Voilà. Allez, direction l'avant-poste qui est en contrebas. Vous voyez la fumée noire. L'objectif à la fin c'est qu'il n'y ait plus aucune fumée noire et plus que de la fumée blanche comme vous pouvez voir bien évidemment. Puisque la fumée blanche c'est pur. Ce n'est pas de la fumée d'ailleurs bien évidemment. Quoique les complotistes pourraient dire que c'est des chemtrails. Non bref, alors en tout cas voilà. N'oubliez pas le pouce bleu si cet épisode vous plaît, si l'aventure vous fait kiffer. Et puis si à la fin de cet épisode vous trouvez ça naze, une suite, eh bien vous pourrez toujours mettre un petit dislike. Mais n'hésitez pas à vous justifier avec un petit commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir. Hop là, on est arrivé. J'ai les collègues qui vont m'aider, je le pense. Alors, on va éviter de se faire cramer dès le début. Ça commence déjà très très mal. Voilà. Alors, je vais vouloir faire ça discrètement, mais regardez, j'ai des collègues qui sont en train d'arriver, j'ai l'impression. Oh non. Ils vont tout foutre en l'air. Ils vont tout foutre en l'air, les collègues, je le sens venir. Sacré sentier d'or. Bon. Voilà, c'est, je commence à voir les bonhommes. J'espère ils vont pas venir, eux, hein. Appeler mercenaires. Ah, je peux les appeler si jamais. D'accord, donc ils vont pas l'attaquer sans que je leur demande, j'espère. Y a intérêt. Bon, allez, on y va. Hop, ça dégage. On perd pas notre temps ici. On est rapide, efficace. Personne me voit. L'alarme, elle est là-bas. L'occasion d'essayer de détruire l'alarme avec l'arc. Ça fonctionne pas. Oh! Non, ça fonctionne pas. Ah. C'est embêtant. C'est embêtant du coup. Mais c'est pas grave. Il fallait essayer. Oh non. Oh non. Alors ça, ça pue du cul. Alors ça, ça pue du cul. Alors ça, ça pue du cul ce qui se passe les amis. Hop. L'alarme. T'inquiète. L'alarme est désactivée. T'inquiète poulette. Hop. Eh oui, il n'y a plus d'alarme, les gars. Eh ouais. C'est dommage. Allez, salut. Wouhou. Alors, on récupère quelques petites choses sur le chemin.
Il est où le dernier? Là. Voilà. Bon, attendez. Je sais pas, j'ai eu un petit peu peur. Terrasse d'été qui ira trop bien. J'ai eu un petit peu peur parce que... Oh, un éléphant. Roi, se trompe parfois. Non, le tigre derrière, il m'a fait trop peur. Ou je sais pas si c'était un léopard, mais il m'a fait trop peur, je vous jure. J'ai cru que j'allais tout foirer la mission, quoi. D'ailleurs, il est là-bas. Et vous savez ce qu'on va faire? Parce qu'on est des criminels, mais parce qu'on a besoin de peau. Eh, mon ref! Ça dit quoi, l'équipe? Alors là, j'ai eu un petit peu peur, quand même. Là... J'ai eu un petit peu peur. Hop, je peux dépecer. Allô? D'accord, c'est vrai qu'il faut se soigner avant de dépecer. Ça, je ne comprends pas. Je sais pas si c'est un bug. Après, c'est un petit peu logique aussi. Attendez, on va essayer de monter sur l'éléphant. J'aimerais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup, je peux monter sur les éléphants maintenant, hein. Alors, comment ça fonctionne? Salut, mon ref. Hop. Ah oui, il n'y a pas besoin de l'apprivoiser. Je me suis cru sur Minecraft. Et hop là. Et là, vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'on peut charger. Bon, là, ça sert plus à rien. Mais on pourra faire des trucs assez rigolos. Et on peut lever la trompe aussi. Ce qui va nous permettre de faire des petites dingueries. Bon. Ceci étant dit, ceci étant fait, on va juste changer une arme. J'ai besoin d'un sniper. Attendez, il y a une affiche de propagande. Là. Je l'enlève. Hop. Voilà. Je rentre ici. Voilà, l'armoire elle est là. Oh bah j'ai débloqué le sniper, magnifique. Oh c'est bon ça. J'ai débloqué plein de choses d'ailleurs. Ok, oh je suis content là. Bon déjà j'achète plein de seringues. Gilet pare-balles. Amélioration de mercenaires. Vos jetons de mercenaires vous permettront de faire appel à un rebelle plus fort et mieux armé. Bon de toute façon j'en ai jamais fait appel pour le moment. Donc j'en ai pas besoin. Donc je vais même pas acheter ça, ça ne me sert à rien. Bon moi ce que je veux c'est le sniper. Arme spéciale peut-être? Non, il est censé... Là, sniper. Je l'achète. Voilà. On va le placer à la place de l'AK qui est là. Tac. Accessoire, le petit silencieux. Voilà, ça nous permet de casser l'alarme... Les alarmes à chaque fois. Le chargeur amélioré. La peinture. Oh! Magnifique. Peinture un peu rose comme ça. J'aime bien. Ensuite, on fait le plein de munitions. Et ensuite, on va vendre ce qu'on a. Voilà. Est-ce que je peux confectionner, pardon, est-ce que je peux confectionner des trucs? Non, je crois pas. Là, il me faudrait du sanglier dans l'idéal, comme on a dit. Voilà. Très, très bien. Ah, aussi, pour un sac de munitions, le pot de sanglier. Bon. Bon, en fait, l'idéal, ce serait vraiment de faire de la chasse. De la chasse au sanglier. Bon, mais nous, on va aussi continuer l'aventure. Oh, regardez comme c'est magnifique. On va se régaler. On va se régaler. Là ça y est on a tout safe. Là il n'y aura plus jamais d'ennemis. Enfin plus jamais. Moins d'ennemis. Là on est vraiment tranquille. Alors on a des tours radio qu'on peut faire ici. Des forteresses. Plein d'avant-postes. Au niveau de la quête principale ça se passe plutôt ici. Là on a Longinus qui nous attend. On a également... non Sabah ne nous attend pas. Ah là ici il y a Yogi et Regi. Là ça va être les meilleurs épisodes de l'aventure. Je préfère vous le dire tout de suite. Mais ça va être les meilleurs épisodes de l'aventure. Moi je vous suggère... Mais là il y a un clocher. Parfait. On y va. On va aller faire le clocher qui est à 700 mètres directement. Je vais reprendre le pistolet dans la main. Je vais prendre la voiture. En voiture Simone. N'oubliez pas le pouce bleu encore une fois. Parce qu'on s'est régalé et on va se régaler. Bon je passe à côté de quelques trésors. Mais vous l'avez compris c'est pas très intéressant. Enfin c'est pas grave. C'est pas grave. C'est des trucs qui nous permettent de gagner un peu d'argent. Mais on tombera jamais sur des gros collectibles spéciaux. Je sais pas quoi. Donc si on passe à côté de quelques coffres. C'est vraiment pas bien grave. D'autant plus qu'on est vraiment très très bien. Faut dire que Far Cry 4 c'est un jeu qui est quand même assez simple, je trouve. Plus simple que Far Cry 6, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est très perspicace. Par contre, on va continuer à pied parce qu'on a des petites choses. Alors oui, il y a aussi des coffres, on a dit qu'on s'en foutait, mais si déjà il y en a plusieurs. Tigre en plastique, mignon ça. Et là on a une sorte de... Est-ce qu'on peut sauter là? On peut grimper, magnifique. Là on a une sorte de structure je ne sais quoi. Alors attends un petit coffre. Ouais on a un petit livre. Un chemin à de multiples destinations. Mais le sentier d'or n'amène qu'à la ruine. Que la lumière de Pagan vous inonde. Hey. C'est... Bon on est contre cette phrase. Mais la phrase est quand même bien trouvée, il faut le dire. Il faut le dire. Moi je dis bravo quand même aux responsables communication de Pagan Mine. Voilà.
Le responsable communication de la dictature, il est quand même fort, hein, si je puis me permettre. À deux doigts d'adhérer à la cause, hein. À deux doigts d'adhérer au 49-3. Bon, alors attendez, est-ce qu'on peut faire tourner ce truc là? Ce serait assez sympa. Ah, en fait, on peut pas, ils sont cassés. Je viens de comprendre, ceux qu'on peut pas faire tourner, ils sont cassés. Pardon? Attendez. Ah, voilà. Ça va, mon ref? Parce que là, en fait, tu vas rien faire du tout là. Là, tu vas rien faire du tout, hein. Non, mais je préfère te prévenir. D'accord, ok, c'est bon, je rigole. Eh, Tigrou, il est vénère, hein, quand même, hein. Tigrou! Voilà. Il est un petit peu énervé, quand même, le bug. Alors, vous voyez, sur le radar en bas à gauche, la croix, c'est-à-dire qu'il y a un cadavre. Mais un cadavre de quoi? Ah, d'accord, il a buté le pauvre tapir. Bon, bah, écoute, déjà, autant se servir, hein. Eh, quand même. Allez, peau de tapir de Malaisie, on continue de monter au niveau du clocher, c'est à 300 mètres. Et si on arrive à monter de manière directe, ce serait assez chouette. Parce que en soi, 300 mètres, vous l'avez compris, 300 mètres sur le jeu, c'est quand même assez rapide. Mais le problème, c'est que quand on contourne, ça peut très vite devenir long. Regardez comme c'est beau, là, il y avait une statue dans la roche. Incroyable. Attendez. Eh ben, n'hésitez pas à revenir en arrière. Oh, un troisième tigre. Attendez, on va se le faire. Je crois qu'avec trois tigres, on peut faire quelque chose. Salut, mon ref. Désolé, t'as pas eu le temps de... T'as pas eu le temps de réfléchir. Allez, je te dépece. Il y a un marchand à côté, ça tombe bien. Ça tombe super bien. Je récupère aussi le tapir. On va aller voir le marchand, comme ça on va déjà pouvoir se débarrasser de certaines choses. Eh, il est plutôt pas mal cet épisode. J'aime beaucoup cet épisode. Déjà, on va vendre. On refait les munitions parce que ça va vite, hein. Et c'est pour ça il nous faudrait aussi un sac de munitions, ce serait pas mal, hein. Sac de munitions. Ah, c'est de la peau de sanglier qu'il faut, justement. Donc je peux rien faire avec mes Ah ouais, panthère nébuleuse, ça n'a rien à voir, d'accord. Compétences d'ailleurs, 5 points de compétences. On verra ça plus tard. Merci. C'est bon, mon ref, merci. Merci beaucoup. Bon, j'aurais pu lui vendre ma peau de tigre du coup, mais bon, c'est pas, vous inquiétez pas. Hop, on va décaler, on va enlever l'affiche qui est juste ici. Tac tac, c'est toujours les mêmes affiches, hein. Ah, le responsable communication, il s'est pas foulé sur le visuel. Je me suis pris une balle perdue là, j'ai pas rêvé. Attendez, je me suis pris une balle perdue là. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que j'ai un sniper maintenant, hein. Alors là, c'est mes copains. Hop, merde. Bah, ça commence bien. Ah, il faut que je m'entraîne au sniper. Voilà, là je l'ai eu. Bon courage. Bon bah c'est bon. C'est bon. La sélection naturelle s'occupe de tout. Alors, sans trop tôt de vibat. Eh ben, fait bon vivre ici. Si je devais faire réparer ma voiture, je viendrais ici directement, hein, sans aucun problème. Bon, le convoi, on en a rien à péter. Ah, c'est des petites missions, comme dit, qui donnent de l'argent, des bonus de karma, etc. Bon, et ça va la comédie. Allez, la tour, elle est juste en haut. À mon avis, il y a quand même pas mal de monde au balcon. Oh, allez, frère, c'est bon. Oh. Alors ça. Alors ça, c'est vénère. Arrête. Alors ça, c'est vénère. C'est bon. Je sais pas c'est quoi comme animal. C'est pas les mêmes que tout à l'heure, hein. C'est pas les mêmes que tout à l'heure. Loup tibétain. C'était pas des loups tout à l'heure, on est d'accord. C'était des sortes de petits chiens enragés, quoi. Là c'est vraiment des gros loups, quoi. Oh my god. Je me demande si on peut confectionner quelque chose avec. Profitons-en. Eh, vous avez vu, on est pas tranquille, hein. On est vraiment pas tranquille. C'est clairement un épisode où la chasse, elle fait partie intégrante du gameplay, je le répète. Parce que ben, en voici encore la preuve. Même forcément sans que tu veux, sans que tu veuilles faire de la chasse. Attendez, je vais passer par là. Je vais passer par là, ce sera plus direct. Allô. Ah. Le grappin. Et c'est parti. C'est dans tous les cas, t'as pas le choix de croiser la route aux animaux, quoi. Ah, je peux faire ça. Un petit peu dangereux. Ça, dans la vraie vie, je serais mort, hein.
Jamais de la vie tu fais ça. À aucun moment d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir, tu fais jamais ça. Espèce de fou, va. Hop. Y'a des gens? Waouh. Y'a personne. Y'a personne. Ah, des munitions, merci. Pas besoin d'en racheter au moins. Allez, c'est parti pour l'ascension qui va être longue ou pas. Après, je suis trop content du sniper. Je sens qu'on va se régaler. Sniper, pistolet, arc et fusil d'assaut. C'est le combo gagnant. Peut-être qu'on pourra remplacer le pistolet par autre chose. Bah non, du coup, le pistolet, on en a besoin. C'est par où qu'on monte là? Ah putain, je suis débile. Vous voyez, c'est... Il faut se creuser les méninges des fois. Voilà. Faut surtout regarder au-dessus de soi aussi, hein. Parce que se creuser les méninges, je veux bien. Là. Voilà. 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 Hop. Là. Bon, madame. Oui. Oui, on va mettre fin au massacre. Tu as raison, madame. C'est pour ça que je suis là. Tac, ça dégage. Paf. Cinquième clocher libéré, messieurs, dames. Et ça, c'est beau. Ah. Et bah, le centre auto, on l'a déjà vu. Voilà. On y est passé juste avant. Chill abandonné. Encore des animaux qui bouffent d'autres animaux. C'est cruel. Et la maison de la famille Rey. C'est les Rey, c'est les frérots, c'est les Rouya. Rey, 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 je la bute sous le soleil. Eh, hey, mais l'arme. C'est l'arme que j'ai achetée, je crois. Qui est gratuite maintenant. Bon, la fiche de propagande, je sais pas où elle est. J'ai pas envie de me casser la tête comme l'autre fois. Donc. Ah! C'était pas ça que j'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est très bien. Allez, on va aller voir ce qu'il y a ici. Oh, du sanglier! Attendez! Incroyable! Mais incroyable! Attends, mon ref. C'est ce qu'il me faut! Excellent! Excellent pot de cochon. Ah non, c'est pas ça du coup. Confection. Ah ouais, sanglier, cochon, c'est pas pareil. Ah, oh, je suis deg. Désolé, petit cochon. Justement, attendez, voyons voir. Cochon. Ah ouais, y a pas de sanglier là. Par contre, y a beaucoup d'animaux sauvages là. Hein. Les loups, les tigres, les dôles. Voilà, c'est ça qui nous attaquait au début de l'épisode. Ah, les sangliers, ils sont au début de la map ou peut-être par la suite on en découvrira d'autres. Ok. Voilà, il y aura des ours aussi, hein. On va prendre cher. On va prendre cher. Oh, je croyais que c'était un... Non, enfin, je vais rien dire parce qu'après on va me... Ok, j'ai cru que c'était un animal en gros. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est? Et voilà mes frères et sœurs Kirati, pourquoi vous devriez jamais, jamais manger de raviolis au crabe au Kirat. Ici, Rabir et Rana et... Oh. Nom de Dieu, AJ Gale, j'y crois pas. Oh, je peux te serrer la main. J'ai suivi toutes tes aventures, mon pote. J'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Je suis super fan. Respect, mon gars. Alors c'est toi le type de la radio? Ouais, c'est moi. La voix de Radio Frikirat. Ravir et Rana. Toi, tu te bats avec tes muscles. Mais moi, c'est plus avec mes mots. Et puis tu connais le proverbe, la plume est plus forte que l'épée. Enfin, c'est métaphorique, hein. Un stylo face à un coup gris, c'est pas joué d'avance. Mais quand même, plus je détourne de gens de Pagan, moins ça t'en fera à combattre. Je peux pas dire le contraire. Enfin, mon champ d'action est limité d'ici. Je réponds la vérité. Et les menteurs, je leur claque le bavoir, mais quelqu'un doit bien se salir les mains. Et bon, regarde-moi, et Chotu, c'est vrai que Chotu est cradingue, mais on peut pas buter des gens. Les seuls pistolets qu'on a ici, c'est des pistolets à eau. Et tu sais, c'est pour ça que je fais cette émission. Toi, t'as les épaules et les biceps pour t'occuper de tout ça et combattre le mal. T'arraches déjà les affiches de propagande, et c'est très bien, mais la machine à promotion de Pagan réagit à mort contre ça. Ces gars ouvrent des centres de propagande temporaire, et de là, ils peuvent balancer toutes leurs conneries. Jour et nuit, même. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu vois ce matériel? J'ai bricolé ça tout seul. Et tu crois que cet abruti de Chotu m'aiderait? Non mais regarde-le, il est dyslexique de partout. C'est juste un vrai boulet, ce mec. Je me sers de ce matos pour surveiller les fréquences de l'armée royale, et j'ai réussi à localiser un de leurs centres. Et tu voudrais que je le mette hors service? C'est exactement ça, AJ. Exactement.
On peut pas laisser Pagan bourrer le crâne du peuple avec ses conneries. Et ça mettra fin à la propagande ? Oh non, certainement pas, mais t'en fais pas. Je trouverai les nouveaux centres de propagande dès qu'ils ouvriront et je t'enverrai les infos. En attendant, va faire ce que tu fais le mieux. Va leur défoncer la tronche, mec ! Détruis le premier centre. Oh, oh merde, je dois reprendre l'antenne. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Chotu, prépare-lui du chai, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que t'attends ? Désolé, c'est pas un hôtel 3 étoiles, mais on fait ce qu'on peut. T'as trop chaud ? Tu veux qu'on mette la clim ? Chotu, la clim, putain de merde ! Désolé, on crève de chaud ici. C'est pire qu'un sauna, mec. On se croirait à Guantanamo. Ravi de te connaître. Et nous revoilà, vous écoutez Radio Frikirat avec Rabi Rerana. On a reçu des questions de nos fidèles auditeurs. Celle-ci d'où vient de... Janina, qui nous écrit ceci. Salut, récemment je suis tombée sur... Le mec il parle plus hors antenne que en antenne, mais bon. Incroyable, ben voilà, du coup on a rencontré notre premier fan. On a rencontré l'animateur qui nous avait appelé, je crois dans le dernier épisode si je dis pas de bêtises. Et qui me fait penser d'ailleurs à Radio Libertad sur Far Cry 6. Voilà. Désolé, je vais faire beaucoup de références à Far Cry 6. Parce que vous savez que ce jeu, je l'ai kiffé. Du coup, eh bien, l'armée royale a investi dans de la communication. Ça, on avait bien compris. Hein. Le service com, il est plutôt pas mal. Donc, atteignez l'emplacement désigné. On va faire un déplacement rapide. Hein. On va pas se prendre la tête pour aller un petit peu plus rapidement. Et du coup, j'imagine qu'on va aller détruire leur radio là ou je ne sais quoi. On va revendre un petit peu des petites choses. Je vais vendre la peau de loup du coup puisqu'il me ça ne sert à rien. Et la peau du tigre évidemment on va garder. Voilà un petit peu le baral je vais vendre. Le sambar également. Et la peau de tapir également. Voilà, comme ça on est friqué. Et je me tâtais ouais à changer de... ouais non bon bref, allez. Excusez-moi, je parle pour rien dire. C'est pas par là la sortie, c'est par ici. Allez, ça repart. Plus que 300 mètres du coup à faire. Ouais mais aussi laissez-moi respirer non. Je vais te faire cramer, ta famille bouffera tes... Ouais tu parles beaucoup toi hein. En vrai tu parles beaucoup pour pas grand chose. Voilà. Allez c'est parti. On y va les amis. On va se faire cette petite mission bien sympathique. Je l'espère. Et ouais c'est con, j'aurais bien aimé changer l'arme de poing. On verra ça par la suite tranquillement. Au fur et à mesure on va bien débloquer d'autres choses. Je tente très bien un wingsuit mais là je la sens pas du tout l'histoire. De toute façon on est arrivé. Tout à fait. Hop là, glissade bien sûr. Nous y sommes. Frikirat, Radio Libertad. Alors, détruisez tous les outils de propagande. Let's go. J'adore. Un mec. L'antenne donc à détruire j'imagine. Ok. Mais il y avait vraiment cette mission là sur Far Cry 6. C'est ça ce que j'aime quoi. Ils ont vraiment voulu garder leurs pattes. Enfin voilà quoi. Il y a du monde là au balcon quand même. Bon j'ai qu'un seul outil à détruire. Eh c'est là que j'aurais dû garder le RPG tu vois. Fallait essayer. Allez, cherchez partout. Voilà. Bon c'est pas fini. Ok je me suis fait cramer la gueule. Ok le sniper ça va être très compliqué. Ok le sniper ça va être compliqué. Bon normalement il n'y aura pas de renfort. Et ça c'est pas mal. Bon on va rester un petit peu sur la hauteur. Vous m'en voudrez pas. Mort. Et il y a des renforts. Non? Il y a une voiture qui est arrivée là, j'ai pas rêvé. Bon allez on y va. Ah oui il y a des renforts. Il y a bel et bien des renforts, let's go. C'est maintenant. Ouais j'aurais dû prendre un RPG. J'arrive, t'inquiète, j'arrive. T'inquiète pas loulou. Il y en aura pour tout le monde. Ok, comment je fais pour détruire ça? Comme ça? Non, d'accord, grenade. Hop. Ça dégage. Ok. Hop.
Voilà. Oh, il est où là? Il est aveugle. Hop. À la manousse. Ça va pas être dur de te tuer. Ah ouais? Hop, ça dégage. Y'a pas un truc à faire péter là? Ah, j'espère que ça marche, hein. J'espère que ça va marcher parce que j'ai pas d'explosif. Par contre, hop là, headshot. Bon, ça va, cette mission est assez tranquille en vrai. Et comment je fais péter ça moi? J'ai encore une grenade. Go. Ok, magnifique. Mais là j'ai plus de... J'ai plus d'explosifs là. Ah ouais, là par contre ils deviennent ultra nombreux là. Éliminer tout le monde, d'accord. Allez, on va fumer la gueule à tout le monde. Appa, j'envoie un appa. Ok. Ah mon ref. Hop. J'adore. Bon, je me concentre hein, parce que je suis pas non plus le mec le plus serein pour être très honnête avec vous. C'est bon ou pas? On va en rester encore. Oh non. Ok, il reste encore quelques personnes. Un petit soin. Non, je peux pas prendre. Allez, hein, on récupère quelques petits loot. On dépece. Mais j'ai fini la mission là. J'ai l'air d'avoir fini la mission là. Oh, mais il suffisait de casser comme ça. Je suis débile moi. Bref, j'ai éliminé tout le monde là. Ah voilà, il reste un mastodonte. C'est top ça. C'est top. Aucun animal n'a été attiré. Bouge pas, t'inquiète. Voilà. Attaque. Voilà. Oh, regardez comme il se fait défoncer. Magnifique. Ça, c'est fait. Du coup, je pense que c'est comme un avant-poste un peu. J'imagine qu'on aura accès à cet endroit peut-être. Je ne sais pas. J'étais pas là, hein, si jamais. Hein. Non, visiblement non. Centre de propagande, quête réussie. C'est bien sympa ces petites missions annexes. Bon, dommage que du coup, on débloque pas un accès rapide. En effet, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, c'est comme là, œil pour œil. Donc là, c'est pareil, une mission de vengeance, comme on a déjà pu faire au préalable. Bien. Bah, les amis, on va directement, enfin, on va se rapprocher du coup de notre quête. Donc, vous savez ce qu'on va faire dans le prochain épisode. On va commencer le prochain épisode ici au manoir de cet avant-poste directement. On va d'ailleurs se déplacer. On va faire la mission œil pour œil, et puis on ira voir Longinus. Voilà, comme ça, on va tout simplement aller de plus en plus vers l'est. Vers le nord-est même pour plus de précision. Voilà, on va faire œil pour œil dans le prochain épisode. Je peux vous aider? Oui, tuez-le. Envoyez-le en enfer. Il est venu avec l'armée royale pour nous enrôler. Et quand on a refusé, ils ont tué tout le monde. Sauf moi. Quelle horreur. Il a pris notre... Je vous montre. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à demain 16h, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.